Bonjour chers élèves, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons voir en français la conjugaison. Et le titre de notre leçon, c'est le verbe avoir et être au futur simple de l'indicatif. En rappel, nous avons dit que les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif n'ont pas une règle particulière, c'est-à-dire... Ils n'ont pas les mêmes terminaisons au présent de l'indicatif. Même à l'infinitif, ils n'ont pas les mêmes terminaisons. Revenons à notre leçon d'aujourd'hui qui est portée sur les verbes avoir et être à conjuguer au futur simple de l'indicatif. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de conjuguer ces deux verbes au futur simple de l'indicatif sans avoir de difficultés. Tu sais, nous avons un texte à exploiter ensemble. Alors, mettez vos cahiers et vos bics à côté pour prendre au fur et à mesure des notes. Je lis le texte. Papa dit à son fils Moussa Tu auras dix ans l'année prochaine. Tu seras trop grand pour jouer avec une balle en chiffon. Tu auras un ballon en plastique. Tes camarades et toi seraient très contents de jouer ensemble. Je relis. Papa dit à son fils Moussa, tu auras 10 ans l'année prochaine. Tu seras trop grand pour jouer avec une balle en chiffon. Tu auras un ballon en plastique. Tes camarades et toi seraient très contents de jouer ensemble. Nous allons chercher ensemble. Dans la phrase les verbes qui sont conjugués. Papa dit à son fils quoi Qu'il aura 10 ans. Nous avons ici aura. Ensuite, il a continué pour dire que il sera trop grand. Nous avons sera pour jouer avec une balle en chiffon. Et nous avons ensuite « aura », un ballon en plastique, tes camarades et toi, serré. Alors ici, ces verbes qui nous intéresse, il y a aussi d'autres verbes qui sont conjugués, mais les verbes qui nous intéressent, c'est les deux verbes là, le verbe « avoir » et « être ». Alors, nous allons chercher ensemble à savoir quel est l'infinitif de « aura » aura et sera serré. aura ici, c'est le verbe avoir. L'infinitif de aura, c'est avoir. Et le verbe avoir conjugué au futur simple de l'indicatif aux deuxièmes personnes du singulier. sera ici, c'est le verbe être. Sera et serré, c'est le verbe être. Et sera est conjugué au futur simple de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Et serré ici, c'est aussi au futur simple à la deuxième personne du pluriel. Ainsi, nous allons conjuguer ces deux verbes-là à toutes les personnes pour savoir comment on peut le conjuguer. On dit j'aurai. Ah, et tu auras, excusez-moi, il faudra que j'écrive les termes gens là, voilà, mm -hmm. tu auras, il ou elle aura, Nous aurons, vous aurez, il ou elle auront. J'aurai un cahier, tu auras un cahier. Il ou elle aura un cahier. Nous aurons un cahier. Vous aurez un cahier. Il ou elle aura. J'aurai. Tu auras. As. Il ou elle aura. A. Nous aurons. O n s. Vous aurez. E z. Il ou elle aura. O n t. Le verbe être. On dit. Je serai. L'année prochaine, je serai grand. Je serai a i tu seras a s il ou elle sera a -S. Nous serons O -N S. Vous serez serez E Z. Il ou elle seront O-N-A-T. Alors, au futur, simple de l'indicatif, ces deux verbes se conjuguent comme suit. Avoir, j'aurai A-U-R-A-I. A -U -R -A -I. Tu auras A-U-R-A-S. Il ou elle aura A-U-R-A. Nous aurons A-U-R-O-N-S. Vous aurez A-U-R-E-Z. Il ou elle. Auront A-U-O-N-T. Être, je serai S-E-R-A-I. Tu seras S-E-R-A-S. -E Il ou elle sera S-E-R-A. Nous serons S-E-R-O-N-S. -E Vous serez S-E-R-E-Z. Il ou elle seront S-E-R-O-N-T. À la deuxième personne et troisième personne du singulier, le son, c'est le même, mais à l'écriture, aura, aura, ou encore sera, sera là, à la deuxième, sera prend AS et à la, à la troisième, c'est A simple. Ainsi, nous avons fini avec notre leçon. Merci d'avoir prêté l'attention. Au revoir et à nous revoir très prochainement.